Normalement, Oléo, c'est une histoire de rencontre. C'est d'abord et avant tout des rencontres. J'ai rencontré Antonio Segura, qui est le leader, qui est le cœur du groupe musical il y a de nombreuses années. Et au travers de ces rencontres, on a fait différents projets ensemble, avec différentes formules aussi, avec un mélange de musiciens qui viennent essentiellement du milieu flamenco, mais aussi du milieu jazz. On a commencé à réduire cette formule pour arriver finalement à ce trio qui était un travail que Antonio a fait aussi depuis longtemps, de commencer à composer pour 3, au lieu de composer pour 5, pour 6, pour 7. Et donc, moi j'ai accroché directement à ce projet parce que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, le mélange entre le jazz et le flamenco, ça m'a toujours attiré. Concert que j'ai vu au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles de Paco de Lucía, que j'ai connu à l'époque encore de son premier sextet. J'étais vraiment scotché par cette musique. Et donc de fil en aiguille, j'ai rencontré Antonio, j'ai rencontré d'autres musiciens de flamenco. Mais mon background est plutôt issu du jazz au sens très large du terme. Avec un super percussionniste québécois, François Taillefer, qui s'est joint à nous et ça a clopé tout de suite. Sur base de ce trio, on a la possibilité d'inviter des tas d'autres musiciens issus du monde flamenco, ou bien issu du monde jazz, ou bien issu du monde world. Donc c'est une idée de, encore une fois, de partager les expériences avec d'autres univers musicaux qui nous intéressent. Et donc on est en train de préparer justement pour l'année qui vient de nouveaux projets. Et je me réjouis de pouvoir avoir de nouvelles expériences avec Oléo Trio. Voilà. Bon vent. Thank you.